Elle a le champ de la moitié se trouve ici. Nous avons ici, nous avons A, 0, X, Y. Donc le A d'Alain qui serait A fois B. Le X sur G qui serait A sur 2. Le Y qui serait B. B sur 2. Par exemple, le catastre triangle. Nous avons la section. La section canadienne, là. Donc, dès que la section, tu sais, quoi? A fois B, c'est la moitié. La moitié. Le XG, tu sais, oui, un tiers, on a déjà vu ça, il suffit qu'à faire une rotation de 2 pi, de pi sur 2 pour voir la section. Donc, elle est le XG qui est égal à A sur 3. Le YG, tu sais, oui, B sur 3. Le 1 quart de cercle. Le 1 quart. Le 1 quart de cercle, nous avons donné le R, X, Y. Donc le A, le grand A, plus c'est oui, pi, R carré sur 4. Pi R carré sur 4. Le XG, plus c'est oui, le YG, plus c'est oui, 4R. Sur 3 pi, nous avons bien les gars. Bon, j'ai oublié de vous dire laquelle est le cas de ces 10 x. Donc il y a quand même un et un A. C'est la même chose avec le sexe. Donc il y a A est égal pour les x. Pour les x, c'est pi AB divisé par 4. Le XG, tu sais, 4A sur 3B. Le YG, tu sais, 4B sur 3B. Donc, elle est concernant les caractéristiques géométriques de la dynamique. Je vous cite aussi plus tard, mais allez, c'est l'idée, elle a dit le chauffe-eau. Il y a un niveau de détail qui continue de chauffe-eau sur le cours. Et c'est placé sur la plateforme de l'université. Vous pouvez voir. On a déduit le résultat, c'est-à-dire on a uniquement passé les... Donc, pour le cycle circulaire, donc elle a l'air de la section, tu sais oui, 2R sinus alpha sur 3 alpha, ou alpha sur y a allé, 2007, 2011, 2000 ans de voir, c'est l'angle qui est passé ici, elle est concernant la section. Le centre de gravité XG se trouve ici, donc se trouve ici, c'est non. Ça, c'est le XG, le A, tu sais oui, alpha est A. Ou le XG, tu sais oui, comme ça. Le YG, tu sais oui, 0 pour le nombre, par exemple, de sinistre. Donc, il faut les sections composées. Maintenant, parfois, une surprise des sections visuelles, on a, il faut déterminer quelque section, une nouvelle section, parce qu'on parlait de la liste interne des sections, c'est-à-dire qu'on est sous forme section visuelle. Dans ce cas, il faut déterminer le centre de gravité de la section, de cette section, en passant par le calcul des intégrales. Voilà. Donc, il y a la section composée. La section composée. Moi, j'ai dit la section composée. Parfois, il y a une première section. Elle est la section, est-ce qu'on formée par des sections usuelles. Par exemple, le. Elle est la section triangulaire. Puis, elle est le في هذا المثال في هذا الطن وفي هذا التريب حنا كي نجيو نشوفو لاسيسيون هكذا درت لاسيسيون درت لاسيسيون كي تجي تكتبين هذه لاسيسيون نيميرو 1 وهذه لاسيسيون نيميرو 2 وهذه لاسيسيون نيميرو 3 هذه لوتاسيون اي تابيتير سي تادير اون بو دير بلي لاسيسيون تاعها ايتيغال كوا ايتيغال يونيون نتاع
le demi-cercle plus rectangle plus triangle, donc dans ce cas, je peux dire que la section de A peut servir à un demi-cercle, A2 rectangle, A3 rectangle. Par exemple, la section de courbe comme ça. À cette information, la section de courbe comme ça. Et là, où je dis la section, elle est formée comme étant le cercle, le rectangle complémentaire, le carré à l'élu, c'est quand le carré est moins, dans ce cas, moins, quoi, le triangle. Donc la section complète, la structure composite est là, la section composite, tu serves A, il y a A, tu serves A, il y a un tel et 1, ou un tel 2, A1 moins A2. Donc il y a la déduction de l'air complète de la section se fait selon la disposition de la forme de la section terre. Le pentagone, c'est égal à la somme. Donc A, mon guide de la section est de frère, nous y voulons la par exemple là, la voulons la trouver. Moins A4, etc. etc. Donc il y a l'air de la section. Viens, il y a la table terre pour ne pas répéter les calculs, c'est-à-dire on considère que les, pour le triangle, pour le rectangle, pour le demi-cercle, on considère que le centre de gravité ainsi que l'aire de la section sont connus. Ce n'est pas la peine de répéter les calculs. Donc, on joint notre connaissance avec la table, le YJI sont connus. Il reste qu'à déterminer le A, le XJ, le YJ de la section complète. Donc le intégral là, moins ou plus là, je ne peux rien dire. Donc la section de Bézé, la section de Zéodé, plus la troisième section, la quatrième section, la septième section, la sixième, moins la septième, moins la... suivant la disposition, c'est-à-dire qu'on partage la section suivant les sections et j'y ai le maximum possible. Ça, Z, le moment statique. Le moment statique de la section complète est égal à quoi par rapport à la statique bien sûr. Et là, c'est que il ne faut pas changer les axes terres. Les axes terres que vous devez le comme les uniformes communs pour toutes les sections usuelles. C'est pas pour la section hermétique d'Ina, un repère, pour la section hermétique du repère Mangafor, pour la section du repère Mangafor. Non. Les uniformes même repère et le calcul se fait pour le même repère. Et d'ailleurs, pour la section entre le repère, entre le repère terre X, Y et un autre repère distingué fait la table, des multi-translation des axes. Donc SX se servit, SX1, Z SX2, Z SX3, Z SXN, par exemple nous avons SX. SY se servit SY. Vous servez SY1, Z SY2. Z, S, Y, N. S, X, I, où je serai? Je serai Y, J, I, ou A. Le I est un A, il va aller de 1, de 2, de 3 jusqu'à N. Ou S, Y, I, je serai X, J, I, A, I. I va aller de 1, de 2, 3 jusqu'à N. Là, une fois qu'on calcule le SY de la section complète, il ne suffit pas d'utiliser la formule suivante, il y a XG, tu serves SY sur A, SY c'est tout ça. C'est cette quantité, ou là, cette quantité-là.
Même chose pour le, S, le YJ, tu sais où est SX sur A, ou tu sais où est cette quantité. Vous pouvez le marquer, mais il faut connaître le moment statique de la section usuelle. Le moment statique, c'est un passage. Quand tu fais la table, on n'a pas donné le moment statique de la section. On a donné uniquement le centre de gravité et l'aide de la section. Mais il y a le moment statique de la section. Le moment statique est égal, le centre de gravité fois A est donné, elle est tabulée. Même chose pour l'idée G, X, G sont tabulés, elle est là, la table. Donc, il suffit qu'à faire le produit pour déterminer le moment statique. Donc, le moment statique de la section composée, pour le résultat est même. Donc, il y a un jeu, un numéro, un exercice, exemple, où je vous juste à vous gagner pour déterminer le centre de gravité, la section interne. La section composée, ben, c'est le fluide assez par ça, discute. Donc il faut la section pour la section RPD. X, Y, donc le nez est là, 20 cm, 50 cm, 80 cm, alors on va le nez est là, 15 cm, et c'est un demi-cercle. Nous devons être à 15 cm. J'ai oublié de vous dire concernant les unités. Les unités de moment statique, les unités, l'unité de moment d'inertie, l'unité de produit d'inertie et l'unité de la section. Donc l'unité de la section, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous, c'est le mètre carré. Et c'est dérivé, on fait 100 cm qui est mis à là, ou un millimètre carré là, comme vous voyez. Alors, le moment statique, tu sers une intégrale y dA. Le y c'est en mètre, le dA en mètre carré, tu sers en mètre cube. Le moment statique et le produit d'inertie, le moment d'inertie et le produit d'inertie, tu sers une intégrale y carré dA, ou alors tu sers y carré, c'est un mètre carré. DA sur le mètre carré, donc tu l'inertes sur le mètre carré. La distance c'est dimension m mètre puissance 4 et c'est dérivé. Centimètre puissance 4, millimètre puissance 4, etc. Et moi par exemple, je vais utiliser ça là, on va déterminer, mais c'est en centimètre carré par exemple, ou là, en décimètre carré. Donc je vais le boulet, alors on met les unités carrées. Donc elle est là, ben, ici. Donc, vous allez vous faire partager la section terre. Qui va chercher comme tu vois la section terre? Aïe, la section terre, elle était là. Aïe, la section terre, elle était là. La question qu'il y a, c'est de déterminer la position du centre de gravité par rapport au repère indiqué du mot OX. Donc, tu vois la section terre, tu vois comme tu veux. On va partager, on va utiliser le principe de section composée. Le principe de section composée dit qu'il faut partager la section suivant les sections usuelles formées selon la table terre. Et il y a qu'un être une section arbitraire et une section arbitraire, je ne peux pas faire ça. C'est vrai pour le triangle, pour par exemple pour le rectangle là, donc c'est comme un point, je ne sais pas combien maintenant, là, c'est un rectangle. Donc il y a une section qui est arbitraire, c'est une section bizarre, une section qui n'est pas usuel, donc il faut déterminer les caractéristiques géométriques qu'on utilise dans les intégrales appropriées. Ensuite, ajouter cette section, la section flatable, et utiliser le résultat pour déterminer la caractéristique géométrique de la section interne. Donc, elle est la section de la couture. Je peux la voir en mettant
demi-triangle plus rectangle, non, plus rectangle. Plus rectangle. Plus demi-cercle. Avec la section numéro 1, avec la section numéro 2, avec la section numéro 3. Maintenant, la numérotation est arbitraire. Tu peux nous dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. يجي يجي واحد اخر يجي ان بيرسون واحد اخرى تقول لي نو تقول لي ودي ما واش عندي انا كيفاش ندير انا نقول باللي هذه دوزيام اللي راح نديرها لوكاسي دوزيام بارتاج جو كونسيدير لو ريكتونغل كومبلي من الطرف للطرف من الزيرو جوسكا 70 في هذه الحاله من هنا 70 ناقص نقصوا له موان demi-cercle de triangle, moins il vaut le demi-cercle. Je ne sais pas quel est le cas, et de le partager là, donc il y a un peu le même, donc il y a un là, aussi mon guide, il va donner le même résultat. Donc soit cette condition, soit ce partage, soit ce partage. Et le même cas, je vous connais, en tout cas, généralement, partager à l'excès la facilité du calcul, ensuite à l'excès le temps du calcul. Par exemple, il est parfois utile de partager la section selon quatre sections et une erreur. Rien n'est capable de ça. Comme je peux se dire, il m'a là. Alors, la fréquence de temps de calcul sera assez longue. Il y a des erreurs à cause de l'ordre de la priorité. Alors, il y a je suis la première. La première. Avec la numérotation de la 1, 2, 3. Donc, je te dis, n'afflons la section 2. La section surface fine. On peut mettre la section, j'oublie de vous dire, toujours, de la cotation. La cotation, derrière, par exemple, là, centimètres, mais là, 70, 80 centimètres, mais là, là, 50, mais là, 80. من الهنا 70 70 لو ريون دو بيجي دو ومن الهنا 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر اللي هي 15 سنتيمتر ومن الهنا 6 70 اللي هي لا سنتيمتر دونك لا سيرفاس نيميرو 1 pour chaque section on va déterminer l'air le centre de gravité et le monde de la boutique derrière. Elle les trois, même si elle est au final, on va directement l'entendre et on déduit le résultat. Dès que la section du secteur carré d'après, il va taxer le nez. Eugénie, fils Méni, taxer le nez. Eugénie, 80 fois 80 divisé par 2. Le service 16, chaque année secondaire, 800. 800. Centimètres, 0 fois 0, 8, 2, 3, 9, 8, 9, 8. Le XG, je voulais le XG, oui, j'ai. Le XG, j'ai là. Le J, j'ai là. Donc le XG, il y a aussi la fonction. Rien que sur la distance, elle est. Ou la distance, elle est là, elle est dans la table. Ou elle est le triangle, elle est là, elle est dans la table, elle est là, elle est dans la comme ça. Donc, tu as là, la distance, elle est. Maintenant, la fonction, elle est. Donc, elle est égale à quoi? Tout ce que toute cette distance est égale à 20, n'est pas la distance elle est déclarée dans l'inflatable. Donc, tout ce que 20, n'est pas 20, il est égale à 20. Je vous l'ai dit, il est 20 divisé par 3. Vous voyez, tout ce que 2 tiers de 20, il est égale à 20, tout ce que 40 sur 3, tout ce que 40 sur 3, tout ce que 13, 2,33 centimètres. J'ai dit qu'il y a des cas, mais le Y, même chose, le triangle qui m'a le triangle qui m'a là, le Y est à la table, il n'y a pas à donc dans ce cas, le Y est divisé par 3, plus serré, 80 divisé par 3, sur 26,666 centimètres. Et là, je vais faire là, je vais le cas pour le rectangle.
يزيد الجزء دو سول سيرفاس دو تحبوا تكتبوا هنا لي ترونغل ولا لي ترونغل ريكتونغل. دونك لو ا تاع ليت ايغال كوا لو ا دو هنا. Il ne faut jamais oublier les indices pour ne pas faire confusion entre les trois sections intérieures. Le A est tout seul, quoi ? Tout seul, mais tout seul. L'argent, quoi ? 50 fois 80. 50 fois 80, tout seul, 50 fois 80, tout seul, 4000. 4000 centimètres carrés. Le XG, tout seul, quoi ? Le XG, 2. Le YG, le XG, je me suis servi. Donc, elle est à quoi le rectangle à laquelle tu es là au confrontable, tu es là au corps, placé directement ligné avec l'axe linéaire. Mais là, on remarque que le rectangle est un peu placé, tu as une distance carrée, une tension carrée, tu as